Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode 23. Évidemment, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Merci du fond du cœur à ceux qui pensent évidemment à liker et à commenter cette vidéo pour le référencement. Vous savez que ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes les boss, gros bisous évidemment. Et c'est pas pour rien que je vous aime. Et c'est pour tout cela. Allez, c'est parti pour la suite de notre folle aventure. Let's fucking go! Bon, c'est une longue porte. C'est une très longue porte et c'est une très longue chaîne. Chaîne aux portes. J'adore, voilà, je le fais rire tout seul, écoutez. C'est comme ça qu'on apprécie la vie. Alors, dites voir. Oh. Parce que là, niveau... niveau, comment on appelle ça? Niveau vie, c'est compliqué. La suite... Qu'est-ce que c'est que ça? Ces plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Ok. Eh ben écoutez, on va aller là-haut parce qu'il y a un coffre de fou malade. Et je préfère largement ça. Alors, c'est parti. Dites-moi, j'adore les coffres. Pour bien commencer un épisode acier de nain, super. Hâte déjà de pouvoir construire et améliorer... mes chaînes. Ok, y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Bon, c'est quoi déjà cette merde? Ça me dit quelque chose. Est-ce que dans le premier God of War on avait pas ça, non? Ah d'accord. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vu l'éducation que reçoivent les Spartiates. Ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Le destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les Nornes m'ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les Nornes, les mois de ces terres. Exact. Défie la prophétie à tes risques et périls. Ok. Ria, j'aimerais bien que tu te... Pardon ? Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien que tu te battes avec moi, bichette. On va passer là-haut, on va récupérer sa hache. Ça serait ouf que Freya se batte avec nous, qu'elle a un arbre de compétences et tout, vous pensez pas? Elle pourrait être incroyable. Oh, le snook. Parfait. Parfait! Incroyable, un petit coffre gratuit. Même si rien n'est jamais gratuit. Un bouclier baignant dans l'éclat d'un millier d'étoiles, c'est incroyable. Ah oui, oh lololo. C'est la première fois là qu'on a un autre bouclier comme ça, non? Incroyable. Merci le jeu, merci la vie. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se rue aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché. Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps, malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin en a manqué une pièce maîtresse. Oh. Bravo, Groa. Ok. Atreus ne sera pas un pion de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin? Alors même qu'il annonce la victoire? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. C'est bien compliqué cette histoire, les amis. Ne parle à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon? Combattre le destin? Une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Sans compter qu'à tout moment, on peut venir les couper. Ok. J'essaye de check partout. Superbe. Et ben voilà, vous voyez, on chope des petits coffres. On se fait des petits plaisirs et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça c'est temps, trouver un moyen de traverser. Ouais, je veux bien. Hein.
perdre. C'est quoi ça? Ah yes, je l'ai. Qu'est-ce que perdu? J'ai compris. Ces îlots devraient te permettre d'avoir un meilleur angle pour la torche. Tu ne crois pas? Ok. J'ai compris, il y a une ennemie et un très gros coffre qui plus est. Ah. Il faut que j'arrive à l'amener. Ok, superbe. Sers-toi de tes lames pour envoyer la torche de l'autre superbe. Côté. Superbe. Une de fête. Je sais pas encore où est le coffre, mais bon, on verra bien. Superbe. J'ai peut-être une idée. Ok. J'ai peut-être une idée. Oh, l'idée était folle. Attends. Oh, l'idée était folle. Oh là là. Mais comment faire? Qu'est-ce que c'est? On va réessayer. Putain, mais dommage. J'essaye de... Y a pas 10 000 alternatives en fait. Il faut... Pardon. Hop. Faut que je l'amène au calme. Et que je le pousse. Mais alors comment, mon pote? Ah bah ouais. Attends. Comme ça vers moi. Voilà. Superbe. Superbe. Et il restera une dernière torche que je vais pouvoir faire avec... avec mes chaînes, et ça sera impeccable. Et bien, let's go! C'est beau, ça! C'est beau, c'est beau. Ah, vous trouvez le coffre? Aucune putain d'idée. Après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore craindre la guerre? J'ai besoin de guerre pour en ignorer le prix. Et moi, non? Après ce qui m'a... Regarde autour de toi, Kratos. Wouhou! Let's go! Encore plus de vie. Et après, ça sera encore plus de rage, évidemment, vous l'aurez compris. Ok. Ça, on prend. Ah putain, je peux aller là. Je peux aller là. Ça merdier. Ok. Et la suite est là-bas. Je crois qu'il n'y avait rien derrière. Allez, viens, bibiche. On avance. Let's go! C'est l'un des capitaines d'Odin. L'un des capitaines d'Odin? Pardon. Ok, zéro dégâts. Ça, ça va être très simple.
Ok, incroyable, je suis un monstre. Oh, let's go. Allez. Hop, capitaine de mes couilles. Je ne connais pas. Y'a rien du tout. Allez, on va juste briser les os et boire ton sang. Allez, ça dégage. Allez, voilà. Alors ? Ça dégage, hein. Rien à péter, hein. Je sais pas ce qu'il voulait, le man. Moi, j'ai rien demandé à personne. Et il vient me briser les couilles. Lancer ce glaive est une condamnation. Ouvrir dans l'onglet armes. Attends, il se passe trop de choses. What the fuck ? Confère un excès de rage et étourdit les ennemis à proximité. Améliore pour augmenter la quantité de rage. Lancer un chakram de Bifos qui traque les ennemis. Améliorer pour augmenter le chakram. Je préfère ça. En vrai, je préfère ça. Largement. Et ça coûte beaucoup d'XP si on veut l'améliorer. Let's go. Et en plus, c'est vrai que je traque jamais. Le Ragnarok ne te rendra pas ce que tu as perdu. Me tuer non plus. Oh. J'en ai assez d'entendre tes messages. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer? Ah, il y a devant, il y a derrière. Je ne sais par où passer. Je suppose que là-bas, il y a un petit secret. À mon humble avis, j'ai le flair pour ça. Alors, bah oui, bien sûr que j'ai le flair pour ça, Bibiche. On me la fait pas l'envers. Ok, go. Qu'est-ce qu'on a là? Bois de pierre, allez. Voilà. Laisse-moi explorer, d'accord? S'il te plaît. Moi, j'ai des tenues améliorées, ok? Toi, t'es un putain d'oiseau. D'ailleurs, tu ressembles à un Pokémon. Comment il s'appelle? Flambusard, je crois, je sais plus. Un oiseau qui fait du feu. Mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment ce Pokémon. N'hésitez pas à mettre en commentaire si je me suis trompé. Ou flamme... Flamajou, je sais pas, mais... Non, pas Flamajou. Mais ça ressemble à un Pokémon oiseau de type feu. Crache pas la gueule, toi. Respecte-moi un peu. Ok. Let's go. Putain, j'ai plus de rage, par contre, ça c'est chiant. J'ai plus de rage et ça c'est chiant. Ah. Ok, c'est évident. C'est évident, mais pour quelqu'un comme moi, c'est pas très gênant. Ok. Je sais pas ce que je prends là. J'ai mal, mais j'en ai. Oh putain, ça c'est vraiment stylé à chaque fois. Chaque fois que je le fais, ça me fait toute chose. Ok. Let's go. Et ben voilà! Ça dégage. Je vous ai dit que c'était pas trop un problème pour moi. Ouais, je me la pète un peu, il faut bien. Ah non, 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 là c'est la suite. C'est la suite et je refuse. Je refuse, je refuse. Oh putain, il y a encore quelque chose derrière, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Calme-toi. Qu'est-ce qu'on a? Ah. C'est évident. Et là, je suppose que ça bloque aussi. Non, ça aurait été ok, très bien, ça m'arrange, let's go, let's go. Oh, le nombre de coffres dans cet épisode, il me paraît assez insensé, insensible, hein. Boule de feu à longue portée qui inflige des quantités modérées, what? Attends, c'est quoi ça, c'est fou?
essayer. Et ça, c'est quoi? Ouais, en vrai, je préfère ça. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok. On peut se casser parce que le... Oh, oh. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Rune brisée, je prends. Merci beaucoup. Et attendez, parce que j'ai remarqué encore quelque chose. On a eu chaud. On a eu encore chaud. Let's go. Non mais vraiment, hein, les gars, hein, cet épisode... L'épisode est dingue. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui font des petites stories Insta. À chaque fois, j'essaie de vous mettre dans mes stories, de faire tourner, de faire partager. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Tout ce soutien. Quand vous vous êtes posé devant votre canapé, sur votre canapé, pardon, devant votre télé et tout. C'est des petites photos que j'aime bien. Voilà, je vous remercie en story, ça fait grave plaisir. Fils, pour secourir mes amis, mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette. Dans tous les cas, je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé, je devrais simplement tout oublier. Freya. Assez. Oh putain, ça c'est les problèmes. Les amis, c'est les problèmes. Ok. Et là, je n'ai pas le pouvoir. Attends, je vais avoir un nouveau pouvoir là, je pense, hein, non, vu qu'il y a encore les herbes derrière. Allons-y. C'est juste les amis, je pense que je vais avoir un tout nouveau pouvoir. Ça promet d'être exceptionnel, ou pas. Ou je peux me faire casser la gueule aussi très très vite. Freya, faudra m'aider, Bibiche. Hein. Ah, elle a dit que c'était là. Hardcore. Je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous? Chez moi. C'est ici que je suis née. Attends, quelque chose ne va pas. Opinbera. Des racines de l'arbre monde, liées par des nœuds d'Odin. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez! Ah! What? Nidhogg! Mais je préfère cette créature. Elle appartient à Odin? Non! Elle protège les racines d'Yggdrasil, qu'elle se trouve. Ce chien comptait là-dessus. C'est ça! Ne te dis pas! Comment je suis censé battre? Tu as attiré son attention. Continue. Ok, bah d'accord, j'ai pas d'échappatoire, quoi. La seule issue, c'est la bagarre. Let's go. Spartiate, rapproche-toi d'elle. Attrape-la. Let's go. Allez, sors de cette brèche. Hop, contre un mur. Voilà. Là, on va se battre. Finalement, tu peux retourner dans la brèche. Il a l'air immortel, le bordel. Elle me barre toujours le chemin. Je dois atteindre ses racines. Oui, oui, oui. Au balais, frère. Ok. Oh!
pense que j'y arriverai pas, les amis, hein. Je pense que je suis déjà mort. Alors, dans ce cas... Plus vite! Enfin! Ok, t'es là. Il perd pas sa vie, hein! Tu es libre! Ravanaïm, oui! Mais il reste d'autres racines. Elle les défendra jusqu'à la mort. Ça va, j'ai récupéré ma vie. La vache. Ok. C'est dur, hein. C'est dur, mes aïeux. Elle attaque par les brèches de royaume. Je la vois. Mes sauts peuvent renforcer tes attaques. Ok. Elle a tombé. Et ça c'est pas mal. Oh là là. Ça c'est fort, ça. Ça c'est super haut. Ok. C'est stylé haut. C'est un vrai boss, ça, frère, hein, bordel. Oh, la vache. C'est dur. J'essaie d'être concentré au max, mais bordel. C'est dur, hein. C'est dur, si je puis me permettre. Il commence à s'énerver. Tiens-toi prêt, quoi qu'il arrive. Oh la vache. Ok, nickel, je pense avoir esquivé. Mais... Ça vient de sortir, ça. Hein. Vache! Allez! Bien joué! Ça, c'était un nouveau pattern. Frappe ta queue avec ton bouclier! Moi, je vais lui éclater la gueule, let's go! Elle rouvre son estomac. Non, mais tout est en accéléré.
Il ne reste pas planté là. Tu ne peux pas bloquer une attaque pareille. Allez. Non, si près du but. C'est abusé. Attends, j'espère que je reviens à ce moment-là. Non, bah attends, on n'a pas fait tout ça pour rien. Non, j'ai peur. Ça va. Elle est faible. Elle va bientôt flancher. Regardez, elle est en accéléré, on dirait le jeu, il est 90 000 FPS, frère. Elle rouvre son estomac. Tiens-toi prêt. J'ai lancé un saut sur son ventre. Tu sais quoi faire. Allez, let's go. Bam. Allez, c'est terminé pour toi. Elle va repartir. Nous l'en empêchons. Briser son emprise et tu es un obstacle. Laisse ça. Brise pas. Est-ce terminé? C'est fini. C'est vraiment terminé. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais? J'imagine que le moment est venu de te pardonner ou de te tuer. T'es-tu décidé? Attendez. Ah non, il y a toujours la poussière. Sale! Être honnête, les deux me paraissent impossibles. Il y a une part en moi qui demeure si furieuse. Elle ne me quittera jamais.
Elle sera toujours furieuse. Mais non. Ce n'est pas à toi de payer de ta vie. Je le comprends. Écoute, tout ce qui s'est passé entre nous. Inutile de t'expliquer. Pas avec moi. Pas pour ça. Je ne regrette pas de t'avoir sauvé, et ne regretterai jamais. Mais le choix de vivre ou de mourir aurait dû t'appartenir. Je n'aurais pas dû t'en déposséder. Putain, la cinématique, elle est folle. Je suis deg pour la boussole, mais la cinématique, elle est folle. L'amulette est un objet unique pouvant accueillir un nombre variable d'enchantements. L'amulette doit être améliorée pour débloquer plus d'emplacements. Pardon. Ok. Quand un enchantement est sélectionné, très bien. Pardon. Améliorer l'amulette au tablier pour avoir plus d'emplacements. J'ai bien compris. D'accord. Mais alors c'est quoi ça? J'ai pas compris. Endurance de Midgard. J'ai pas saisi. Maintenant, la racine du problème. Que je suis à nouveau moi. Je crois qu'une visite à mon frère s'impose. Et ensuite? Je l'ignore. Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu le choix. On va améliorer la hache, les amis, encore. Laisse-moi le temps de m'y habituer. Les amis, hache et nos chaînes, ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. N'oublie pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve bientôt pour la suite de notre Fall Aventure. Je vous fais des gros bisous. A bientôt tout le monde. Bye bye. Cet épisode était fou. Cet épisode était fou et cette cinématique était folle. Ce jeu est fou.